Alors, comment tailler des groseilliers pour obtenir de superbes récoltes? Je vais vous montrer quand même la taille. Alors là, il est un peu tard. Normalement, il aurait fallu le faire avant. Mais bon, je vous montre comment ça marche. Alors, pour ce qui est des prolongements, ce que j'appelle les charpentières, de la structure en fait de l'arbuste, hein, j'y touche pas là. Par contre, tous les autres, les secondaires, on les coupe très courts. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça marche très très bien. Alors, je coupe environ 2 cm tous les rameaux qui ne vont pas servir au prolongement. C'est des rameaux que peuvent fructifier. Alors, je coupe 2 cm sur la pousse de l'année. Vous voyez, on voit la différence de couleur. Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'est de cette année. Donc, on coupe 2 cm. Alors là, je m'en sers de prolongement. Tous les autres, on les met à fruit. Ça, c'est un prolongement. Ça, on le met à fruit. Voilà. Et l'année prochaine, alors, je vous le dis tout de suite, j'en mange pas là, de ces groseilles-là parce que je les laisse pour les oiseaux. Surtout cette année, les oiseaux n'ont pas grand-chose à manger. Hein. La fructification s'est allée, ça a été une catastrophe à cause des gelées tardives. Et voilà, donc ça a été une mauvaise année pour les oiseaux. Alors, je les ai laissés aux oiseaux, comme j'en consomme pas. D'abord, c'est pas pour moi la groseille, c'est pas une folie. Alors, ça marche aussi cette taille-là, de cette manière-là, pour les cassis. J'enlève un peu le truc. Alors, il faut vider le milieu des arbres, hein, y compris des arbustes comme ça. Alors là, 2 cm sur la pousse de l'année, 2 cm. Vous voyez, ça tourne. Alors, et là, vous couvrez vos... Alors, c'est une branche qu'on devrait enlever, même, à la limite. Parce que... Alors là, le sécateur n'est pas adapté pour les coupes comme ça. Voilà. Voilà, il y a même encore, vous voyez, des bouts de bois. Alors, cette année, il était couvert de framboises... De groseilles, excusez-moi, parce que là, franchement, des framboises sur un groseillier, c'est rare. Voilà. Alors, c'est simple. Très simple. Et je vous m'en dirai des nouvelles. Ça vaut de l'or, ça. Ça, je les garde comme prolongement. Ouais. Ça, non. Alors, certains, évidemment, comme toujours, vont être sceptiques. C'est normal, il faut des sceptiques. Hein. Sinon, la vie serait trop belle. Ah, j'écoute ça. Même les petits. Hein. Bah, c'est toujours la même histoire, en fait, si on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une pression qui s'exerce. Alors, la montée en sève des groseilliers, elle est terminée pratiquement. Hein. Là, il est même tard pour moi, j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Normalement, il faut faire ça fin juin, quoi. Voilà, on est quand même au 15 août. Mais ça marche quand même. Oui, comme quoi, il y a une marge d'erreur. De toute façon, ce sera mieux que de rien faire. Hein? Dites-vous ça. Le pire, c'est de rien faire. Hein? Les adeptes de la non-taille, ben, ils n'ont rien à manger. Ben, alors évidemment, je ne suis pas non plus un tailleur fou, vous le savez. Je ne suis pas un gars qui taille beaucoup. Là, vous voyez, par exemple, ces arbres-là, ces petits arbustes. Une fois, tout ce que je vais faire dans l'année. Hein? Et on en reparle l'année prochaine, si vous voulez. Alors celui-là, franchement, les oiseaux, ils sont régalés. Même le mien, chez moi, j'ai laissé aux oiseaux. Alors, c'est un peu bête. Peut-être certains diront. Ils ont peut-être raison. Mais c'est pas grave. Pour les oiseaux, cette année, ils n'étaient pas à la noce. Oh, surtout les merles d'ailleurs qui mangent ça. Les merles. Voilà. Alors, si vous mesurez le temps que j'ai mis pour tailler ça, hein, si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est grave. Hein. Vous regardez un petit peu moins la télé. Quelques minutes en moins. Que les gens ils disent, oh, on n'a pas le temps pour les arbres. On préfère aller acheter des trucs. Au supermarché du coin. Ben non, vous avez le temps
vous avez largement le temps. Mais vous ne le prenez pas. En plus, c'est très agréable. Regardez, il est impeccable. Il est superbe. Le temps que ça m'a pris, 5 minutes. Et voilà, c'est terminé. Et bien voilà ce que vous allez obtenir avec cette taille. Hein. Ça, c'est une taille que j'ai faite l'année dernière. Et cette année, vous voyez la récolte. J'ai tout laissé aux oiseaux cette année. Hein, parce que cette année, les oiseaux n'avaient pas grand-chose à manger. Donc voilà. Et bien moi, je vous donne rendez-vous donc sur mon blog La taille des arbres fruitiers. Et puis voilà. Donc vous pouvez cliquer sur les liens dans la vidéo ou sous la vidéo pour en savoir plus. Et bien je vous dis au revoir et à la prochaine pour d'autres vidéos.